Bonjour, chers élèves de la quatrième année économie-gestion. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous avez réussi à surmonter cette période difficile qui a perturbé notre société et nos habitudes. Nous poursuivons l'étude de la partie 4 du programme d'économie qui est La mondialisation et ses enjeux, qui comporte trois chapitres. Le premier chapitre s'intitule Les échanges internationaux de biens et services et leur évolution. Le chapitre 2 traite l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services et le chapitre 3 traite les firmes multinationales. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude du chapitre 2 qui traite l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. La section 1, c'est la section qui fera l'objet de la leçon d'aujourd'hui. La section 1 comporte deux parties à développer. La partie A traite l'évolution de la structure des échanges internationaux de marchandises et la partie B est intitulée Nette montée des échanges de services. La nette, la nette montée des échanges de services, c'est la partie qui fera l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Donc, les objectifs de la leçon d'aujourd'hui sont un objectif de savoir qui consiste à constater que les, que les échanges internationaux de services ont connu une nette augmentation. Deux objectifs de savoir-faire. Tout d'abord, il s'agit de consolider le calcul et l'interprétation d'une part et un autre objectif de savoir-faire qui consiste à consolider l'exploitation des documents, dont notamment les textes, les tableaux statistiques et les graphiques. Donc, euh, je vous demande, mes élèves, de faire une activité de rappel. Je vous demande d'associer pour chaque groupe de produits son évolution ainsi que les facteurs qui les ont favorisés. Commençons par les produits primaires. Comme vous avez vu dans le cours, les échanges internationaux des produits primaires sont caractérisés par une régression dans le commerce mondial de marchandises. Cette régression est due à plusieurs facteurs, dont les fluctuations des cours des matières premières, la forte protection douanière, la faible augmentation de la demande et la forte valeur ajoutée. Ah, il y a un problème quelque part. Donc vous devez retenter votre chance. Donc, la régression des échanges internationaux de produits primaires sont dues à plusieurs facteurs. Donc on va compléter les autres facteurs. La faible valeur ajoutée Maintenant, on a terminé euh, pour les facteurs qui expliquent la régression des échanges internationaux de, de produits primaires. Maintenant, vous allez passer aux échanges internationaux de produits manufacturés. Vous avez étudié au cours de la séance précédente que les échanges internationaux de produits manufacturés sont caractérisés par une prédominance dans le commerce mondial de marchandises, qui s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la forte valeur ajoutée. L'importance de la demande, la forte augmentation des prix, l'importance des innovations, la libéralisation des échanges et la faible augmentation des prix. Ah, il y a une proposition qui a été erronée. Donc, la faible augmentation des prix est un facteur qui explique la régression des produits primaires. Voilà, super, vous avez réussi à tout classer en ordre. Pour synthétiser, je vous accorde une deuxième opportunité pour refaire la même activité de rappel. Je vous accorde aussi la correction de l'activité. On poursuit l'étude de l'évolution des échanges internationaux de services. C'est pour cela qu'une question que se pose, comment ont évolué les échanges internationaux de services donc, pour étudier l'importance du poids des services dans le PIB, vous allez vous référer à votre manuel scolaire en lisant l'activité numéro 7 de la page 224. Le titre du support est Nouvelle Eldorado du commerce international. Je ne vais pas vous demander de lire l'intégralité du texte, mais vous allez en prendre seulement une partie. Donc, vous lisez soigneusement le texte et vous soulignez les idées susceptibles de répondre à. À la question suivante. Pourquoi la part des services dans le PIB est-elle importante que dans le commerce international Je lis le texte. Les services occupent une place bien plus importante dans le produit intérieur brut des économies qu'au sein de leur échange. À la différence des marchandises qui peuvent être stockées et transportées, une grande partie des services sont par nature produits sur le lieu et au moment même où ils sont consommés. Je vous recommande de souligner cette idée. C'est le cas des services de main-d'œuvre, qu'ils soient privés, coiffure, restauration, etc., ou collectifs, éducation, santé, sécurité, etc. De même, les services aux entreprises, pour des raisons de proximité, doivent généralement être dispensés dans le pays où ils sont consommés. Conseil juridique, services informatiques et audit. Je vous recommande de souligner cette idée. Une fois que les idées ont été soulignées, vous êtes en mesure de répondre à la question la part des services dans le PIB est plus importante dans le commerce international pour des raisons. Tout d'abord, les services ne peuvent pas être stockés et transportés, ce qui n'est pas le cas pour les marchandises. Ensuite, les services sont produits dans le pays où ils sont consommés. C'est-à-dire que les services sont à proximité des consommateurs, tels que les services juridiques, les services informatiques et l'audit. Donc, vous pouvez conclure que certes, la part des services est importante dans le PIB, mais leur importance dans le commerce mondial s'avère moindre. Passons maintenant à l'étude de l'évolution des exportations mondiales de biens et services. Euh, C'est pour cela que j'ai utilisé un tableau statistique dont les valeurs ont été compilées par l'Organisation mondiale de commerce. Les statistiques du tableau sont exprimées en milliards de dollars. Euh, les statistiques dedans euh, vont vous permettre de répondre à deux questions. Tout d'abord, calculer et interprétez la part des services dans les exportations mondiales de biens et services en 1990 et en 2018. Pour la suite, vous allez décrire l'évolution de la part des services dans le commerce mondial de biens et services. Vous allez utiliser la formule de la part, comme vous, avez, vous êtes habitué à le faire. La part, qui est le rapport entre le sous-ensemble sur l'ensemble, pour exprimer le résultat en pourcentage, vous devez multiplier le rapport en 100. Donc appliquant cette formule pour calculer la part des services dans les exportations. Ici, la lettre X désigne les exportations mondiales de biens et services en 1990. Le résultat, le résultat est 20,50%. Ce chiffre peut être interprété comme suit. Les exportations mondiales de services représentent 20,50% des exportations mondiales de biens et services en 1990. Vous allez appliquer la même formule pour l'année 2018. Donc, la part des services dans les exportations mondiales de biens et services est égale à 25,50%. Ce chiffre peut être interprété comme suit. Les exportations mondiales de services représentent 25,50% des exportations mondiales de biens et services en 2018. Nous poursuivons l'étude de l'évolution de la structure des exportations mondiales de biens et services. Nous avons encapsulé les différentes euh, statistiques calculées dans ce graphique. Ici, prenons l'exemple de l'année 2018. 25,5% mesure la part des services dans les échanges internationaux de biens et services. Et vous savez que la somme des parts est égale à 100%, donc la, la part qui reste, et celle de marchandises qui est égale à 74,5%. Vous notez que la part des services dans les exportations mondiales de biens et services a augmenté en passant de 20,50% 20, à 25,50% durant la période 1990-2018, soit une hausse de 5 points. Donc, vous, vous allez conclure qu'il y a une nette montée des échanges internationaux de services. Donc, nous avons bien répondu à notre problématique. La nette montée des échanges de services est synonyme du développement des échanges de services. Activité numéro 8 de la page 224. Vous allez euh, lire le texte pour répondre à la question suivante. Montrez à partir des exemples que les services ne cessent d'occuper une place importante dans les échanges internationaux. Je répète, montrez à partir d'exemples que les services ne cessent d'occuper une place importante dans les échanges internationaux. Le développement rapide du commerce des services est une tendance récente. Ce secteur représente environ 20% du commerce mondial. Les services du transport et du voyage comptent pour 55 à 60% des échanges de services. Donc, je recommande de souligner cette idée. Mais ce sont les autres services, en particulier les échanges technologiques et financiers, qui progressent le plus et font désormais l'objet d'une grande attention lors des négociations commerciales. Je vous conseille aussi de souligner cette dernière phrase qui va vous aider à répondre à la question. Donc, une fois que les idées ont été soulignées, maintenant vous êtes en mesure de dénumérer les idées suivantes. Donc, les services qui occupent une place importante dans les échanges internationaux sont au nombre de deux. Tout d'abord, les services traditionnels et les autres services appelés aussi les nouveaux services. Les services traditionnels sont des services commerciaux, dont notamment les transports et les voyages, comme c'est indiqué dans l'activité, qui représentent entre 55% à 60% des échanges de services et qui sont liés au commerce de marchandises. Comme c'est demandé dans la question de l'activité, vous allez citer des exemples. Par exemple, les services de transport. Aérien, maritime, ferroviaire et terrestre, et les voyages comme le tourisme. Pour les nouveaux services, sont des services liés aux échanges technologiques et financiers. Vous allez aussi citer des exemples. Par exemple, les services liés aux technologies d'information et de communication, comme les télécommunications, les traitements, l'image, etc. La recherche et développement, les services financiers, dont notamment les assurances. Pour justifier L'évolution des échanges internationaux de services, vous allez vous référer à l'activité numéro 11 de la page 225. Je ne vais pas vous demander de lire l'intégralité du texte, mais d'en prendre seulement une partie. Vous allez souligner les textes, les idées qui vont vous aider à, à de répondre à la question suivante Quels sont les facteurs qui expliquent l'évolution du commerce des services à l'échelle mondiale Je répète quels sont les facteurs qui expliquent. L'évolution du commerce des services à l'échelle mondiale. Les services traditionnels sont en train de vivre une transformation spectaculaire. Dans les télécommunications se développent des services sur mesure à longue distance, comme le traitement d'images et de l'information, des réseaux liant les téléphones, les ordinateurs et les fax, des réseaux spécialisés reliant les individus travaillant dans des lieux différents. Les entreprises de transport routier, ferroviaire et aérien, dont la croissance est la plus rapide, satisfant les besoins de leurs clients en matière de voyage et de livraison spécialisée. Je vous conseille de souligner cette idée. Les organismes d'assurance offrent une grande variété des services adaptés aux besoins spécifiques des individus. Ainsi, une grande partie des échanges provient des services, les services spécialisés de recherche et développement, de commercialisation, de voyage, de conseil, de stratégie, etc. Une fois que les idées ont été soulignées, maintenant vous êtes en mesure de répondre à la question. Donc, par quoi s'explique l'expansion du commerce mondial des services Donc, l'expansion du commerce mondial des services est due à un ensemble de facteurs. En premier lieu, le, le développement du commerce des marchandises. En fait, le développement du commerce des services est lié aux marchandises. Citons l'exemple d'une entreprise qui achète des biens sophistiqués de l'étranger elle fait appel généralement à des, à des ingénieurs pour former son personnel. De même, euh, l'entreprise peut faire appel au service du camionneur pour transporter les marchandises ainsi que ses produits, ses matières premières. Euh, aussi, je peux aussi noter un troisième exemple qui sera le dernier. Euh, l'entreprise euh, peut faire appel au service d'assurance pour faire appel, euh, pour faire face aux aléas comme les inondations et les incendies. En deuxième lieu, le développement des moyens de transport et de la technologie ainsi que la baisse de leurs coûts. En fait, on assiste au cours des dernières années à une baisse spectaculaire des tarifs de l'Internet, de télécommunication. Euh, en troisième lieu, l'augmentation des revenus et l'évolution du comportement des consommateurs. Vous avez étudié au cours de cette année que la croissance économique, chapitre mutation de la consommation, que la croissance économique génère une augmentation des revenus. L'augmentation des revenus, euh, permet aux, aux ménages d'acheter plus des services luxueux comme euh, le, euh, le voyage à l'étranger comme euh, la culture comme euh, le transport etc. etc. Euh, en quatrième lieu le quatrième facteur la libéralisation des échanges la libéralisation des marchés Les droits de douane qui touchent les échanges internationaux de services sont faibles voire nuls ce qui encourage, ce qui encourage leur échange entre les pays donc pour faire la synthèse de la leçon, là, il y a une nette montée des échanges de services. Autrement dit, la part des services dans les exportations mondiales de biens et services augmente au cours des dernières décennies. Cette nette montée des échanges mondiaux de services est expliquée par un ensemble de facteurs. Tout d'abord, le développement des services liés au commerce de marchandises, puis le développement des modes de transport, l'évolution des technologies et le développement des services liés aux échanges de technologies, ainsi que la baisse des coûts, l'augmentation des revenus et l'évolution du comportement du consommateur, et la libéralisation des marchés. Euh, maintenant, je vous demande de faire une activité d'évaluation pour s'assurer que vous avez bien assimilé le contenu du cours d'aujourd'hui. Commençons par la première question. Pourquoi la part des services dans le PIB est-elle plus importante que dans le commerce international Vous avez trois propositions. Il y a des barrières financières et institutionnelles. Les services ne peuvent pas être stockés et transportés. Les services sont produits dans les pays où ils sont consommés. Je vous conseille que vous, que vous choisissez la deuxième et la troisième proposition. Donc, je clique sur ce bouton. C'est juste Passons à la deuxième question. Comment a évolué la part des échanges mondiaux de services Trois propositions. A augmenté au cours des dernières années, a régressé au cours des dernières années, a stagné au cours des dernières années. Je vous recommande que vous choisissez la première proposition. A augmenté au cours des dernières années. Je clique sur ce bouton. La troisième question, comment la hausse des revenus favorise l'essor des échanges internationaux de services Par la baisse de la demande des services, par la hausse de la demande des services et par un changement des modes de vie des consommateurs. Vous avez trois propositions. Je vous recommande d'opter pour la deuxième et la troisième proposition. Je vais, ver, je vais cliquer sur ce bouton. Euh, je vous accorde une deuxième opportunité pour faire la même activité d'évaluation. Euh, je vous fournis aussi la collection de l'activité d'évaluation. Les bonnes réponses correspondent à des carreaux colorés en noir. La leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Bye bye.